gars ça n'a pas gardé là, c'est vice-président pays Salvador, monsieur le Félix et donc Willoa. Nous pas parler espagnol mais nous ca dit ça. En tout cas, eh bien monsieur lui-même là qui avec Stanley Lucas qui a bailler et comment qui a raconté comment yo même dans pays Salvador yo pas joué avec sacré les gangs, sacré les voleurs criminels. Eh bien nous tendez qui quantité bandit voleurs criminels qui était en bas code dans pays Salvador, mesdames et messieurs. Eh bien Haïti même autorité a rancé avec bandit et dans concombrette avec bandit, et puis pays Salvador même a marré par milliers bandit metté en prison. Eh bien vice-président là qui a raconté qui moyen yo passé quand tu cob yo dépenser dans acheter matériel pour la police dans pays Salvador pété bonda bandit. Et quand il s'agit de droits humains dans le pays, ça, vous faites fermer la bouche parce que l'État a travaillé. Et vous dites, si toutefois, les droits humains sont venus pour parler, et bien pour bailler des problèmes à quand l'État a mis des bandits en bas de y a marre les droits humains au coucrabe, et bien qui est différent dans le pays, pas nous, Haïti, chérie. En tout cas, nous ne pas parler trop, nous allons faire entendre tout en détail avec vice-président pays Salvador, avec Stanley Lucas, mesdames et messieurs. Aider la République d'Haïti. Mon cher ami, bienvenue. Et on est content de vous avoir. Merci beaucoup, mon ami Stanley. C'est un grand plaisir de partager avec vous l'audience qui nous écoute maintenant et dans laquelle on pourra partager cette expérience chez nous, dans laquelle notre lutte contre les gangs a réussi grâce à un plan spécial que nous avons mis sur place jusqu'au début du gouvernement du président Bukele dans l'année 2019. Donc, si vous voulez, on peut déjà commencer. Ou s'il y a avant de commencer, monsieur le vice-président, je suis certain que mon ami, mon collègue Cyrus Cyber va profiter pour vous saluer d'abord et on pourra rentrer directement dans le sujet. Cyrus. D'accord. Cyrus. Allô, Cyrus. Bon, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le vice-président. C'est un privilège de vous avoir avec nous. Donc, nous pensons que le problème des gangs, c'est un problème régional. Et donc, l'expérience au Salvador va nous aider en Haïti à aborder le problème avec beaucoup plus de technicité, avec beaucoup plus d'expertise. Donc, c'est un privilège de vous avoir avec nous. Donc, monsieur le vice-président, comme vous le savez, les Haïtiens suivent de très près la lutte que mènent le président Bukele et vous, le vice-président, M. Félix Ulloa, contre les gangs dans votre pays. Et les Haïtiens aimeraient voir une stratégie similaire en Haïti. Donc, nous savons que la stratégie pour lutter contre les gangs au Salvador porte le nom « La main forte » en créole gros point. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer pour les Haïtiens et comment avez-vous mis cette stratégie en place et quel est le contenu de cette stratégie pour lutter contre les gangs? Tout à fait. Merci. Le privilège est moi. Et je suis très content de pouvoir partager avec le peuple haïtien et cette expérience. Tout d'abord, je voudrais vous dire que notre pays s'appelle le plan de contrôle territorial. C'est un plan de 7 étapes. Nous sommes déjà dans la 4e étape. Mais la première, dans laquelle on a parlé tout à l'heure, immédiatement que nous avons pris le gouvernement dans le mois de juin de 2019, et il s'agit exactement de récupérer les territoires occupés pour les gangs. Et chez nous, les gangs se sont posés sur plus de 30% du territoire national. Ils ont contrôlé toute la vie des communautés. Ce sont eux qui ont mis la loi, qui ont mis l'ordre, qui ont fait la décision sur la vie, le commerce, toutes les choses de la communauté. Donc, notre premier pas a été
de récupérer les territoires. La douzième, excusez-moi, monsieur le vice-président, quel était le pourcentage contrôlé par les gangs avant et votre programme? Bon, le pourcentage était très haut. Donc, comme on a dit, il a eu un contrôle total du gang sur le territoire, un tiers du territoire national a été dans les mains, un tiers. Pratiquement, ils ont contrôlé les carrefours urbains et aussi dans la zone rurale. Et le taux d'homicide a été entre 15 et 20 homicides par jour. Quotidiennement, nous avons souffert la mort d'entre 15 et 20 salvadoriens. Donc, ça c'est l'état de lieu dans lequel nous avons reçu le pays. Donc, avec le plan contrôle territorial, la première étape a été de récupérer les territoires. Mais une fois que nous avons positionné la police et l'armée dans les territoires, la deuxième phase a été d'apporter les services publics de l'État dans cette communauté. Parce qu'auparavant, aucun fonctionnaire du gouvernement a été d'accord d'aller à cette zone, pratiquement cette zone de zone de guerre, et dans laquelle les écoles, les hôpitaux et tous les services publics ont été pratiquement abandonnés pour l'État. Donc nous avons, dans la deuxième phase, mis sur place tous les services de l'État. La troisième phase, l'équipement de la police et de l'armée. Ça, c'est clair. Je pense que c'est la même situation dans laquelle la police haïtienne se trouve maintenant. Parce que c'est la manque de ressources. Nous avons reçu une police dans laquelle la manque de munitions, de véhicules, d'équipements, de toutes les choses de communication, etc., ont mis en un désavantage à la police quand ils doivent confronter à des groupes très organisés, très bien armés, avec armes lourdes et aussi avec intelligence, discipline et ressources financières. Donc, on a une force organisée on a calculé sur moi 70 000 membres de gang. C'est 70 000 membres de gang. Et vous pouvez imaginer comment une force policière plus près de 20 000 policiers pour affronter avec un désavantage de l'équipement, de les armes, des véhicules et tout ce type de choses. Donc, ça c'était la troisième phase. Malheureusement, à ce moment-là, nous avons reçu de la Banque Centroaméricaine d'Intégration Économique un prêt de 109 millions de dollars pour acheter tous les équipes pour la police. Mais le Congrès a été contrôlé par l'opposition politique. Et ils ont refusé de ratifier cette prête de la Banque centro-américaine. Donc, on a eu d'attendre jusqu'à la élection de 2021, dans laquelle le parti politique du président Nuevas Ideas a gagné la majorité dans le Congrès. Et c'est à partir du mois de mai 2021 dans lequel nous avons reçu l'approbation de cette prête de la Banque centro-américaine et nous avons les ressources financières suffisantes pour acheter l'équipement de la police et de l'armée. Et c'est après l'achète des munitions, des fusils, des véhicules appropriés, des drones, et d'augmenter le salaire et la prestation de la police. Parce que ça, c'est une autre chose. La police a été découragée à cause de la condition laborale dans laquelle se sont trouvés au moment que nous avons arrivé au gouvernement. Donc, le président Bukele a pris conscience que pour avoir une force policière engagée
et avec tous les volontaires de lutter contre les gangs, il doit avoir une rétribution économique juste. Et ça, c'est une autre chose. Nous avons augmenté les bonnes financières et les salaires de la police. Et en plus, d'acheter tous les équipements. Et ça, c'est ce qui nous a permis, dans cette phase, c'est que nous appelons maintenant la guerre contre les gangs, que nous avons déjà capturé, emprisonné et mettre à l'ordre de la justice 43 000 membres de gangs. Ça, c'est la situation actuelle. Monsieur le vice-président, avant de continuer, et pour tous les auditeurs qui écoutent, j'aimerais faire une petite récapitulation pour eux en créole qui est très important et puis on va continuer. Donc, mes amis, quand vous nous entendez là, et n'a pas parlé avec vice-président pays Salvador et Félix Ulloa, c'est lui-même avec président Bukele qui a dirigé pays ça. Et président ça avec vice-président ça, il n'y a pas d'engrien dedans avec gang dans le pays. Yo. Vice-président dit que les li rive sous pouvoir avec président, yo jwenn non police qui décourage. Et les rive sous pouvoir, yo jwenn non pays côté gang yo te contrôlé un tiers dans territoire. Et dans pays yo te gen à peu près 70 000 membres gang. Donc, c'est pour ça, les présidents rive, président Bukele avec vice-président Félix Ulloa, yo mettent un plan en place pour yo reprend contrôle territoire. Donc, dans première étape là, c'est ça au fait. Donc, c'est commencer à récupérer territoire que gang yo te contrôlé. Donc, yo vin entrer dans deuxième phase. Deuxième phase là, c'est que tout côté dans zone côté gang yo teye, yo vin mettre ça les services publics, pas de service public pour communauté en vent, l'état te disparaît. Mais pendant après ça, pour que yo te équipe la police et l'armée pour casser un gang yo, yo te besoin kob, c'est pour ça yo t'al nan banque latino-américain, yo mande prêter 109 millions de dollars américains pour acheter zam pour la police parce que gang yo te pi équipé que la police et l'armée. Imaginons 70 000 gang. Donc, le yo te rive, yo pa gen contrôle parlement, c'est parlement te bloqué tout jefo yo t'ap fè pour acheter zam pour gang yo. En 2021, parti président Bukelea et que vice-président là dans tout vice-président Félix Ulloa yo vinn gen élection yo en mai 2021 yo vinn gen majorité dans congrès donc les yo vinn gen majorité dans congrès y entré dans troisième phase là troisième phase plan gros point là yo bay la police équipement avec l'armée yo augmenté salaire policier yo et puis Jean vice-président saute dit là li entré dans quatrième phase de lutte contre gang yo et mettez zam sous gang yo. Et depuis les ça, yo commencé dans quatrième phase là, yo gen tan mettez 43 000 gang en bas code. Donc, monsieur le vice-président, on était à la quatrième phase où votre gouvernement a déclaré la guerre contre les gangs et il y a 43 000 gangs qui ont été capturés. Donc, vous pouvez continuer pour les auditeurs. Merci. Bon, il y a des autres. Alors, vice-président, faut me dire peuple haïtien ou comprendre créole ou parler créole tout. C'est dommage parce que ça, la belle langue du haïtien, j'oubliais. Ou perdu. Ça fait longtemps que je ne parle pas. Oubliez créole. En tout cas, on parle de la quatrième phase, donc vous avez la parole. Allô? Oui, donc on vous écoute maintenant après l'arrestation des 43 000 gangs. Donc on aimerait vous écouter pour la quatrième phase. Qu'est-ce qui a été fait en plus? Oui, mais il faut mettre l'accent sur deux choses qui sont très importantes. Mm-hmm. Très importantes pour réussir dans cette bataille contre les gangs. La première, ça a été qu'avec un congrès aligné avec le président et l'exécutif, nous avons changé et nous avons fait des réformes à la loi pénale et la loi processale pénale pour avoir
les instruments légaux dans lesquels on pourra activer certaines mesures pour les combattre dedans le cadre de la loi. Et nous avons aussi déclaré l'état d'exception, que c'est une faculté selon la Constitution de la République. Donc, avec l'état d'exception, nous avons suspendu quelques garanties constitutionnelles pour donner à la police et à l'armée des facultés pour les combattre. Donc, ça c'est une chose importante. Si nous n'avons pas le cadre juridique dans lequel la force de l'ordre public peut actuer, activer, ça va empêcher aux agents de la police ou les membres de la force armée de participer dans la façon qu'il le fait. Donc, ça c'est une chose qu'on doit garder à la tête, le cadre juridique. Et la deuxième, ça a été d'annuler tous les accords politiques entre les gangs, les patrons, les chefs de gangs qui ont fait des accords politiques avec les anciens partis politiques. Les deux grands partis politiques qui ont contrôlé la politique chez nous, ARENA de la droite, FMLN de la gauche, ils ont fait des accords pour gagner la élection. Ils ont donné des millions de dollars aux chefs de gangs pour les avoir à son côté et gagner les élections. Monsieur le vice-président, cette partie est tellement importante pour le peuple haïtien. J'aimerais d'abord, avant que vous continuiez, monsieur le vice-président, et expliquer ce que vous venez de dire. D'accord. Et parce que d'accord, c'est important pour. Mais oui, merci, monsieur le vice-président. J'attends. Vice-président Sodi, vice-président Salvador a dit que dans Kasserin Gangyo, dans la guerre qui a fait contre Gangyo, il y a deux bagailles qui sont importants. Premier bagaille là, c'est que yo vin créer un cadre juridique qui permet yo gommer contre Gangyo. Cadre juridique là, il y a deux éléments que yo ka travay sou yo parce que majorité dans parlement c'est majorité pa yo, donc yo te gen possibilité faire travail juridique ça. Premier bagay yo fait c'est que loi pénale là yo change li pour craser pour casser un gang. C'est premier bagay que yo fait pour yo gen cadre juridique là. Deuxième bagay là, yo mette une série de situations d'exception qui permettent yo goumen plus facile contre gang yo au niveau juridique. Et puis deuxième bagaille que vous faites qui est très important tout, c'est une série de accords gang yo te signé avec deux partis politiques, un parti politique qui est très puissant et Salvador qui est la Arena avec un autre qui est le et FMLN qui te contrôlé milieu politique là, nèg yo parti politique ça yo te fait accord avec gang ça yo qui fait qu'il y a des millions qui t'a fait échange un parti politique et gang sa yo qui était basé sur activité criminelle. Yo annulé tout accord sa yo pour que gang pa ka travay à parti politique. Est-ce qu'on comprend l'auditeur? Monsieur le vice-président, je vous écoute après cette partie où vous avez parlé de les accords que vous avez annulés entre les gangs, l'ARENA et le FMLN. On vous écoute. Ça les go feedback, nous te ka gérer ça dans le studio. Donc monsieur le vice-président, vous écoute. On continue? Oui, bien sûr. Bon, donc, dans cet contexte, où est-ce que nous sommes maintenant? Bon, je pourrais vous dire que, comme on a dit, nous avons capturé et emprisonné 43 000 membres de gangs. Et nous les avons mis dans le système pénitentiaire qui a créé une situation de superpopulation dans les centres pénitentiaires. Et ça a attiré l'attention de certaines organisations internationales de droits humains qui ont exprimé sa préoccupation. On les a invités de venir chez nous pour voir la situation, parce que malgré la taille, la dimension de cette opération de guerre, il n'y a pas eu aucun dérèglement de sang. Il n'a pas eu de morts dans l'infiltration. Pourquoi? Parce que l'action de la police et l'armée
a été supporté pour l'information qu'on a reçue et on a systématisé pendant les trois ans que nous sommes dans le gouvernement à travers le plan de contrôle territorial. Donc, quand la police décide d'aller et capturer un groupe de membres de gang, c'est parce qu'ils sont la formation, ils sont les données de tous ces gens. Donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir de confrontation, de tir, de sang, rien de ça. Mais les organisations de droits humains comme Human Rights Watch de Washington ou Amnesty International, ils ont mis l'écrit au ciel en disant attention, au Salvador, il y a un risque les droits humains. Et nous les avons invités pour les dire que ça, c'est une situation dans laquelle les juges, tous les juges pénals qui ont décrété la détention de ces personnes qui ont été capturées par la police, ils ont suivi les due process of law, les processus d'accord avec la loi. Et deuxièmement, nous avons commencé à construire un centre pénitentiaire pour accueillir à 30 000 internes. Et ça, c'est une chose que nous allons faire au fin de l'année. Ça va être prêt. Ça a commencé déjà. Il y a 20 personnes dans la construction. Et dans cette prison collective, dans une extension de plus de 200 acres de terre, nous allons colloquer tous les internes et toutes les personnes qui vont suivre les processus légaux au tribunal.